Et salut tout le monde, c'est Edki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Roblox. On est actuellement sur Gods of Glory, un jeu dans lequel nous devenons un dieu. Et le but de ce dieu, c'est de détruire des civilisations entières, ou alors les aider à grandir. Et bien écoutez, on va choisir d'être le bien ou le mal aujourd'hui. On a quoi pour nous aider? Nous avons, si j'appuie sur 1 comme ça, un coup de pied basique. Nous allons donc aller tester ça sur les petites personnes qui sont là. Alors c'est parti. Wow, ok, j'ai déjà débloqué un truc, j'ai débloqué la Fireball, ce qui va me permettre donc de l'utiliser. On va essayer de voir. Vas-y, enlève-toi là, faut que je teste mon nouveau truc là. Enlève. Bam. Oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. On peut détruire les arbres aussi également. Ouais, bien sûr, on peut détruire le décor. On a ici le shop pour améliorer bien nos équipements, bien évidemment. Ok, alors je découvre avec vous hein, ce jeu-là, ça m'a l'air d'être une sorte de simulateur. You are Umzun. Je vous laisse tout seul et vous avez qu'à vous amuser. Donc c'est parti. Aujourd'hui nous allons défoncer tous les petits villages. Alors par contre il y a un château, moi je vais directement sur le château là-bas derrière. On va voir si je peux le défoncer. Il y a des mecs un petit peu plus puissants là. Ça va être peut-être un peu plus chaud hein. Ah ceux-là ils nous attaquent en plus hein. Wow, oh ce kick que je lui ai mis. Oh je me fais défoncer de partout. Je me fais défoncer de partout. Oh c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Aïe, Bon ok, on n'est absolument pas assez fort pour aller défoncer le château fort pour l'instant, mais ça va être l'un des objectifs. Alors je peux peut-être améliorer ma boule de feu, mais non pas encore. J'ai pas assez, il me faut 500 de mana. Ok c'est parti, on va les farm. On a ici la possibilité d'avoir des minions, c'est des pets tout simplement, ils coûtent 750, ok. Et là on a moyen de faire un voyage vers, oh là là, de nouveaux mondes. Nous sommes ici au château, on va pouvoir aller dans la Grèce antique, mais c'est pas encore débloqué. Ok, très bien, allez, c'est parti. Allez, je vais aller m'occuper de cette civilisation là, qui est tranquille. Oh là, non, il y a des soldats là, c'est chaud. Wow, qui c'est qui... Wow, calme-toi. Calme-toi. Alors, je vais farmer un petit peu sur les arbres, moi, c'est plus tranquille. Au moins, je suis sûr de pas me faire attaquer, normalement. Allez, c'est parti pour le village. Ah, aujourd'hui, on fait partie des méchants, hein, clairement. L'attaque des titans. Et l'attaquant français se lance pour le coup franc de l'année. Boum. Et boum, il reprend la balle, reprise de volée, et... Ah, raté, il a raté le ballon, il reprend le ballon, et boum, dans le mur. Les boules de feu me donnent combien? Par exemple, si j'attaque cet arbre, ça me donne 6 de mana. Si je mets un coup de pied dans cet arbre, ça me donne 2 de mana. Ok, les boules de feu rapportent beaucoup plus. Donc on va continuer à faire les boules de feu, même si de mettre des petits coups de pied dans les petits bonhommes, c'est beaucoup plus marrant. C'est beaucoup plus sympa. Boum. Et boum. Alors j'ai 700, je vais donc upgrade ma boule de feu, je sais plus combien c'était, mais je dois avoir assez, ouais, c'était 500. Et ben c'est parfait, alors on a quoi ici? On a Evil, ok, on va pouvoir débloquer donc de nouveaux pouvoirs après, avec la météore notamment. Ah mais j'aurais peut-être pu la prendre avec mes 800 là, mais non j'avais pas 800, j'avais pas 800. Par contre on peut avoir donc des trucs en plus qui nous permettent d'avoir de la pluie, de la vie supplémentaire, de quoi grandir également. Pareil, on peut améliorer notre size, il y a tellement de trucs à faire aujourd'hui, c'est génial. On peut même débloquer donc des rebirths qui nous permettront donc d'aller beaucoup plus vite. Ok, on a beaucoup de choses à faire sur ce simulateur aujourd'hui, c'est parti. Bon allez, pour la vidéo je vais me débloquer les x2 damage à 789 Robux, ça fait mal, mais franchement... À mon avis, ce jeu, on va s'amuser. Je ferai peut-être plusieurs vidéos dessus. Si jamais vous kiffez, vous me dites dans les commentaires et moi, je referai des vidéos dessus. Ah ouais, là, je fais beaucoup plus mal. Là, je fais 15 de mana, donc avec cette nouvelle boule de feu. J'ai assez de mana pour acheter un minion, donc un petit pet. Mais attendez, moi, ce que je vais viser, c'est directement le premier rebirth. Ah, j'ai débloqué Météor aussi, également. Ça, c'est parfait. Non, moi, je veux le premier rebirth qui a seulement 1500, donc autant le faire et directement faire un rebirth. Quitte à recommencer à zéro, autant le faire le plus rapidement possible. Allez, c'est bon, j'ai les 1500, ok. On va tenter ça. Bon, j'ai la météore également. Ils me disent de l'acheter, mais non, je ne veux pas l'acheter. Moi, je vais acheter le rebirth en premier. Allez, c'est parti. Ah, c'est 1006. Quoi, c'est 1006? Non, c'était 1005. Non, c'était 1006 en fait. Bon, attendez, heureusement, il y a des petits arbres pour farm ici. C'est bon, j'ai les 1006. On le prend. Ah non, ils veulent absolument que je prenne la météore. C'est obligé. C'est pour le jeu, c'est normal. Dommage. Allez, je prends la première météore. Équipe. Ah, mais ça va, elle m'a rien coûté en fait. Donc, allez, attendez. Oh, c'est trop génial. On peut la lancer de loin, d'hyper loin même. On peut attaquer de. Je peux limite attaquer. Ah non, c'est un peu loin quand même. Le château est un peu loin. Ouais, c'est pas mal, ok. Allez, du coup, le rebirth, ça va être intéressant. On prend celui-là. Bye. Ah, j'avais mal lu. J'avais mal lu. Il s'agit d'un milliard ici. Ah là là, n'importe quoi. Bon, c'est parti. On va débloquer des pets. Ça sera tout aussi intéressant. Bah, tant mieux que le rebirth ne soit pas aussi vite. Ça m'étonnait aussi. J'ai mal lu. Alors, on a quoi? On a un troll qui est un pet commun. Tant pis. On en prend un autre. Et on a un dragon qui est un unique. Oh là 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 là. Il doit être ouf celui-là. Attendez, j'ai eu... Mais non, j'ai eu le meilleur pet possible.
Let's go. Et le prochain monde coûte 3000 seulement. Ok, bon, on va très vite aller donc au prochain monde. Le dragon, il me fait quoi? Il me fait un x1,36. C'est parfait. Alors, on va aller au fond là-bas. Il y a plein d'arbres pour farmer, c'est parfait. Je sais pas si les météorites sont plus intéressantes que mes boules de feu. Peut-être pas pour l'instant, vu que je les ai pas améliorées. Allez, on va tester. Pouah, le village, let's go. Ah, il y a un petit cooldown qui est un peu long quand même. Hein. Ou alors, c'est que je suis trop près. Oh, il est long, hein. Oh, c'est long, hein. Allez, vas-y, moi, je reprends mes boules de feu. C'est beaucoup plus rapide. Oh, il y a un soldat qui m'attaque, là. Il y a un soldat qui m'attaque. Voilà, ça dégage. Je peux acheter la météore numéro 2. Ok, ben je vais y aller alors. Ah, j'ai débloqué la pluie aussi également. Donc on a dit amélioration de la météore. Non, je... Si je pouvais, mais en fait, moi, je préfère améliorer ça, clairement. Je préfère améliorer la Fireball niveau 3 et la Fireball niveau 4. Parfait, donc celle-ci est un petit peu plus orangée comme ça. Et elle doit faire tellement mal. Alors, est-ce que vous pensez que je peux aller détruire le château là-bas? Je pense pas encore, honnêtement. Hein. Mais ça se tente, hein. Ça se tente, on est joueur. Alors déjà, il y a un petit soldat. Yep, ça dégage. Il y en a un autre là. Voilà. Allez, on rentre dans le village, c'est parti. Les tours de garde, on les passe. Et alors là, il y a un géant, il y a un mec, il est un petit peu plus grand que moi là. Il doit être pas mal avancé lui. Allez, la statue, il faut détruire la statue, elle doit rapporter celle-là. Ouah, je me suis fait démolir. Oh, c'est abusé, ça pète de partout là-bas. Allez, je me prends la fireball niveau 5 du coup. Et est-ce que j'ai moyen de reprendre un mignon? On peut en avoir combien maximum? On peut en avoir 2 sur 2 seulement, mais c'est pas grave, je peux en reprendre un autre. Allez, c'est parti. En espérant avoir mieux que mon troll là qui sert à rien. Un chevalier en commun, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas. Ah ouais, c'est à peu près pareil. Bon bah écoutez, tant pis. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement débloquer la graisse antique. Je pense que ça nous permettra de farm un petit peu plus rapidement. Ah ouais, non mais les météorites, c'est OP quand même, hein. C'est OP, hein. Si tu la lances à un endroit où il y a plein de monde comme ça... Ah non, c'est un peu trop loin, là. Là, je la jette au milieu des arbres, ça va faire un... Ouah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est dommage, on voit pas le cooldown de la météorite. Bon, c'est pas grave, allez. Je détruis tout ce village là et je me casse en graisse antique. Oh, il y a une zone ici, la zone de la mort. Attendez, on va tenter, hein. Ça me dit rien qui vaille, mais bon, on va y aller. Oh, il y a un boss. Il y a un boss ici. On va essayer de le taper. Oh là, il y a moyen de le faire, hein. Oh là là. Ouais, il m'a vu. Ah, c'est bon, on l'a eu. Ah, ça m'a fait gagner genre 1000 de mana, un truc comme ça. Génial, parfait. Bon, bah merci hein, de m'avoir aidé. Hein. Allez, go, graisse antique. Directement, on la débloque. Bye, c'est parti, on y va. On y est. Et alors, à mon avis, il y aura moins de monde par contre. Les villages sont pleins. Il y aura peut-être moins de monde sur les villages, donc ça me permettra d'aller. C'est moi qui ai tiré là? Ah ouais, c'est moi qui ai tiré. J'étais en train de tirer pendant la cinématique. Donc là, les pets coûtent combien? Ça doit être les pets tier 2. Ils sont à 9K cette fois-ci. Oh là là, il faut farmer cette fois-ci. Hein. Il faut farmer. Allez, objectif, on va améliorer donc les fireballs et les météorites. En priorité, ce village-là. Ok, alors là, il y a des soldats dans les premiers villages directement. Il est en train de m'attaquer. Oh ouais, ouais, il a beaucoup plus de résistance. Hein. Résistance, hein. Je sais plus parler là, c'est lui qui me met la pression. Il va m'amener jusqu'où lui comme ça? Ok, il y a un grand château là-bas. Allez attaquer, je vais lâcher une météorite ici. Ah, je l'ai raté non? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle est pas venue? Ah, il me reste un peu de cooldown. Ok, j'ai débloqué là, donc la frise aussi. J'ai pas encore utilisé la reine, mais on la testera juste après. La météorite, est-ce que je l'ai? Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Boum! Alors j'ai un soldat qui arrête pas de me suivre là. C'est bon, il a pris une... Ah non, il est pas mort. C'est bon, il... Hey, il veut pas crever lui hein. C'est bon. Allez, le temple, on le détruit. Oh, il m'a rapporté pas mal de thunes. Jessica, alors là, franchement, Jessica, c'est pas le nom d'une fille. Non, non, j'ai 6000 mana, ce qui va me permettre d'acheter donc la prochaine Fireball. Donc là, c'est la rouge, parfait. Par contre, ce qui serait très intéressant, c'est de prendre donc la reine, même si je sais pas encore ce que c'est. Bye, 5500, waouh, ok, c'est un petit peu cher. Allez, je farm vite fait et puis on achète la reine. On va voir ce que c'est que ce pouvoir. Oh, mes boules de feu sont tellement stylées en rouge comme ça. J'adore. Oh là 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 là, ça fait tellement du sale en plus au village. Bon, par contre, il y a 3 mecs qu'il faut que je m'occupe là quand même. Hein. Ceux-là, ils rigolent pas en plus. Ah, je vois plus rien, enlève-moi ça. C'est bon, ils sont morts. Ils sont morts quand même. Alors, j'hésite là parce que franchement, j'ai plus de 9000K. Peut-être que je pourrais me prendre un pet, hein, vu que là, c'est les pets tier 2. À la limite, je farm jusqu'à avoir de quoi m'acheter un pet et la reine. Allez, c'est parti. Je sais plus combien c'était. Non, je sais plus combien c'était. 5000, non? C'est quoi tous ces villageois là qui se promènent là? Dégagez. Dégagez. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve que ce simulateur est extrêmement sympa et vraiment satisfaisant. Allez, c'est parti. On débloque donc un pet à 9000. Il risque d'être très intéressant. Basilic, avancé, c'est pas mal, advanced. Donc là c'est... Ah non, ok, j'ai... D'accord, c'est advanced, mais c'est le plus pourri, d'accord. Vous auriez pu juste mettre qu'il était commun, hein. Bon, je vire mon troll, je le vends carrément, allez hop, ça dégage. Et je mets mon basilic, hop, c'est parti. Allez, on s'occupe de là vite fait et on achète la reine, là. Oh, oh bah c'est bon, j'ai assez de thunes. J'ai assez de thunes, ça a été super vite. D'ailleurs, en parlant d'aller super vite, combien coûte la prochaine île? Elle coûte... Ah, c'est l'Egypte, 35 000, ok. Allez, donc je débloque la reine, équipe... Ah, mais elle était gratuite.
Ah ok, équipe, par contre il faut que j'enlève un autre pouvoir, d'accord. Bon bah je vais enlever les météorites pour l'instant. Et je vais mettre la reine, on va la tester, c'est bon je l'ai. Bon bah du coup c'est dommage mais ça, wow, il s'est tiré tout seul. C'est dommage parce que du coup il va falloir que vraiment je fasse des bons choix. Est-ce que je peux enlever mon coup de pied ou alors le coup de pied faut que je le garde? Ah attendez, ça marche sur les soldats? Ah ça les fait moins... Oh il me défonce. Oh, je savais pas qu'il me démontait aussi fort. Du coup, il va falloir que je fasse des choix hein, par rapport à mes trucs. Alors, la pluie, on va tester la pluie. Oh là, il bouge trop. J'arrive pas à la mettre. Va vraiment falloir que je me concentre sur des pouvoirs spécifiques. Améliorer un seul pouvoir plutôt que de le changer de tout le temps. Donc, à la limite, ce qui serait bien, c'est d'améliorer. Donc, mais pourquoi il pleut pas? Comment ça marche ce truc là? Il faudrait vraiment que je m'occupe des soldats parce qu'ils font mal. Allez, dégagez. Yeah, voilà. Allez, je mets l'appui ici. Ah, il faut... D'accord, il faut rester appuyé. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, ça permet de remettre de la vie, donc pour l'instant, c'est pas forcément intéressant. On veut juste faire un maximum de dégâts, nous. Allez, je vais débloquer quelques fireballs si possible. Celle-ci à 3500, celle-ci à 5500, je pourrais l'avoir bientôt. On va tester la tournade aussi. Hop, et je débloque la fireball niveau 8. C'est bien, on avance bien sur les fireballs, ça fait plaisir. Allez, on teste la tournade vite fait, là. Hop, on la met ici. Ah ouais, c'est tellement sale, la tournade. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. La tornade, franchement, pour l'instant, c'est l'un de mes préférés avec la fireball. Yeah. Voilà. Je pense que je vais... Ah, mais il y a un qui m'attaque. Je le voyais pas, là. Dégage de là. Salut, les villageois. Foot. Let's go. Allez, je vais essayer de m'attaquer, là, au petit château fort, vite fait. Hein. Ah, merde, je vais me faire défoncer. Allez, prenons la fireball à 9000. Allez, go, château fort. Faut gérer, là, cette fois-ci. Hein. Faut gérer. Allez, j'esquive la tour. Je suis intouchable. Mais pourquoi ça tire dans le vent? Eh ben, elle a pas réussi à me toucher une seule fois. Par contre, il y a deux soldats là. Ils font tellement mal s'ils me touchent. Aïe! Oh, ils m'ont défoncé, sérieux. Ah, par contre, je vais prendre la size numéro 2 qui va me permettre d'avoir plus de vie. Ça va être très intéressant. La size niveau 3, j'avais oublié de prendre ça. Et franchement, c'est trop important. Regardez, je suis beaucoup plus grand. Et là, normalement, je devrais résister aux petits soldats. Parce que c'est vrai qu'ils faisaient mal. Allez, petite tornade en attendant là sur ce village là. Parce que ça fait beaucoup de thunes. Allez, tornade, allô, viens là, tornade, pourquoi elle vient pas? Non, elle a pas l'air de voir. Ah, si, ça y est. Oh là 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 là, elle est même pas améliorée encore cette tornade. Et franchement, elle fait tellement mal. Ah oui, je suis beaucoup plus résistant là. Allez, c'est parti. On attaque le petit château qui est juste là. Les deux gardes, ils dégagent. Ouh là là, il y a là. Trois gardes sur moi, là. Trois gardes. C'est bon. Allez, il faut attaquer là, les tours. À fond, les gars, tous sur les tours. Oh, je suis en train de prendre tellement cher. C'est bon, il reste plus qu'une tour. Allez, on esquive. Frappe. Let's go, mais je m'en fous de ça. Passe pas devant l'écran. J'ai besoin de me concentrer. Voilà, parfait. Allez, il faut pénétrer les défenses. Alors là, par contre, il faut un maximum de coups. Attendez, je vais mettre un coup de tornade. Tornade, ce sera peut-être un peu mieux. Ah non, je vais mettre la tornade à l'intérieur. Et boum. Oh là là. Allez, faut rentrer. Allez, encore un peu. C'est bon, on rentre. Allez, là, on va faire du sale à l'intérieur. Oh, mais j'ai déjà fait du mal avec ma tornade. Oh, je me mets ici, là. Je me mets ici et je suis trop bien. Ah, ben, quoi? Qui c'est qui m'a atteint? C'est lui? Mais non, c'est impossible. Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais du skateboard? Pourquoi je suis en train de faire du skateboard? Allô? Je crois que je suis bloqué, là. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, tout va bien. Bon, allez, il nous faut un petit peu de chance sur les minions. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. En tier 2, comme ça, il nous faut des bons trucs. S'il vous plaît, Pegasus en unique. Allez, c'est parfait. Mais voilà, ça me suffit. Celui-là, il fait 1,36, donc c'est parfait. On l'équipe et on vire... oula, non. On vire mon basilic. Bon, j'ai 26K à dépenser. Soit les boules de feu ou soit les size. Allez, je vais faire un grand coup de size. Ah, je peux le faire une fois. Peut-être deux aussi. 16,5. Allez, go size. Voilà, comme ça, je commence à être pas mal résistant. Même si mes boules de feu sont pas fous encore. Va falloir améliorer tout ça. Allez, on va faire un coup de village, là, vite fait, avec une tornade. Il faut que je gagne un peu de thunes. Allez. C'est parti, ça dégage. Oh là là, la tornade fait tellement mal. Est-ce qu'on peut pas l'améliorer, cette petite tornade-là? 15 000, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, go château là. Allez, c'est parti, on se les refait. Oh, les tours prennent tellement cher maintenant. Allez, vite, tournade ici, vite. Voilà, comme ça s'occupe de la tour pendant que je m'occupe de celle-là, là, que j'avais oublié. Voilà. C'est bon, ma tornade a géré, elle a fait le taf. Maintenant, j'ai plus qu'à détruire tout ça. À la limite, est-ce que je peux pas juste passer par-dessus? Oh, attendez, je peux passer entre là. Ou alors, il faudrait pas passer entre, mais il faudrait les attaquer comme ça là. Par contre, il y a un petit. Oh non, je suis en train de prendre trop cher. Aïe, faut pas qu'il me touche, il y en a un autre ici, il y en a deux sur moi là. Ouais, ils vont me bloquer, je vais être obligé de sauter. Non, il a sauté quoi. C'est bon, ok, je suis safe, par contre,
Qui c'est qui me lance des boules de feu là? Allez, les portes du village sont cassées. Par contre, c'est où que ça tire les trucs? Attendez, je vais essayer de m'occuper de la statue là qui est là. Voilà. Je vais mettre la tornade au plein milieu. Non, vite, il y a une tour qui est revenue. Allez, on va à l'intérieur. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Il faut attaquer les mecs là. On pénètre dans les défenses du château. Je suis à 50 000 quasiment. Oh, il faut absolument attaquer le siège là-bas. Aïe, 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 ah, ah, ah. Je peux remettre une tornade? Non, je peux pas remettre une tornade. Va-t'en de là, je suis occupé. Aïe, 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 je suis en train de... Je suis mort. Putain. Oh, on y était presque. Vous avez vu, il y a un gladiateur en jaune, en or comme ça là-bas. Il faut que je le démonte. Il faut que je le démonte avec... l'amélioration des Fireball maintenant, 15 000 et cette fois-ci 20 000. Ok, c'est parti. Allez, je vais essayer de l'attaquer par là, là, le siège. Je sais pas si ça va être possible. Il est un peu loin. Non, c'est bon, ça va le faire. Ah, je sais pas si je lui fais des dégâts. Est-ce que j'ai ma tornade? J'ai pas encore ma tornade. Je peux la mettre au milieu du village si je veux. Après, je peux la mettre là-bas, hein. Ça peut être très intéressant. Je vais essayer de me rapprocher sur les murs comme ça du château. Ah, je mets la tornade. Ça va le faire. Non, c'est trop loin. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Oh là 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 là. J'ai détruit tout. J'ai détruit les tours de... presque les deux tours. Non, c'est bon, j'ai détruit. J'ai tout détruit. Faut que je m'occupe des gros gladiateurs là-bas, là. Eux, ils doivent faire tellement mal. Oh là, je triche, mais c'est bon, je les ai eus. Boum, boum, boum. Allez, plus qu'un. Et j'ai réussi à détruire tout le village de la Grèce antique. C'est parfait. Bon, j'ai 87 000. Est-ce qu'on se débloquerait pas l'Égypte? Je sais plus combien ça coûtait. 35 000. C'est parti, nouveau monde, on part en Égypte. On découvre donc ces petites pyramides qu'on va s'empresser de démonter. Le château de l'Égypte est là, avec ces petites pyramides. Allez, j'ai 52 000, est-ce qu'on peut pas directement se prendre un minion, peut-être? Non, c'est 105 000 par contre les minions ici, un petit peu cher. On peut améliorer mes boules de feu par contre, une petite boule à 30 000, parfait. Et une tornade, allez, une tornade à 20 000. Allez, on va tester ça. Ok, alors là, il y a un petit village, très simple, ok, il n'y a aucun garde, il n'y a rien du tout. C'est très facile. Par contre, là, on va mettre une tornade au plein milieu, là. Une tornade sur les pyramides. Allez, hop, on la met ici. Boum. Oh, tout le mana que je récupère avec la tornade. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, on va bientôt pouvoir s'acheter un pet, hein, directement. Alors, par contre, ces gardes-là, ils doivent faire mal. Il faut que je m'occupe de ce petit-là, qui m'embête. Il me pousse jusqu'à dans l'eau. Il veut que je tombe, mais non, mais je ne tomberai pas. Enfin, je vais le laisser me taper, voir comment il fait mal. Bon, il n'a pas eu le temps. Allez, un recoup dans le village. Un grand coup de tornade. Et là, par contre, j'ai assez pour prendre un petit pet. Pet ou amélioration, je ne sais pas trop. Pet, hein, franchement, un petit pet d'ici. Histoire de fêter notre arrivée en Égypte. Donc, pet à 105 000. Qu'est-ce qu'il me faudrait là? Pet à 105 000, c'est parti. Un pet en tier 3, s'il vous plaît. Un unique, un rare, c'est plutôt pas mal. On prend. Il fait x1,51. Ouais, c'est pas beaucoup mieux que mon Pegasus. Ah non, c'est mon dragon qu'on va vendre. Allez, hop, on le vend. Allez, petite amélioration de ma taille. Hop, et on va aller attaquer le château. On va essayer, on va essayer. En plus, regardez, on va être deux à attaquer le château, là. Là, ça va fuser, hein. Par contre, j'ai pas la vie, là. Ah, c'est bon, j'ai la vie du château. Ok, je vais commencer à mettre une tornade à l'intérieur, comme ça, dès qu'on arrive, c'est clean. Hop. Oh là 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 là. Oh, c'est trop stylé. Ah, par contre, mais attendez. Ah, il y a une tour qui vient juste de réapparaître, là, juste devant moi. Faut que je m'en occupe. Allez, allez, crève, 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 crève. Oh, on prend cher. Ah, c'est bon, on l'a eu. Allez, allez, on casse les défenses. Ah, il y en a une autre qui est arrivée là. Aïe, 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 aïe. Elles font trop mal. Ah, je suis mort. Oh putain, j'étais géant. Allez, boule de feu violette à 45 000. On prend. Je peux retenter l'entrée du château, mais c'était chaud hein, quand même. Hein. Je vais essayer de passer par là, à la limite, sur le côté. Peut-être que ça sera beaucoup plus intéressant pour s'occuper de cette petite tour là, vite fait. Elle m'attaque même pas, je suis trop loin pour elle. Hop, voilà, nickel. Celle-ci, on la défonce. Ok, donc une fois à l'intérieur. À la limite, je vais mettre une tornade ici, voir ce que ça donne. Ah, elle me tire à travers. Ah non, elle y arrive pas, c'est bon. Alors, est-ce que j'arrive à mettre la tornade ici? Ouais, c'est bon. J'arrive à la mettre. Ah, mais je suis en train. J'étais en train de prendre des dégâts. Ah non, c'est le gladiateur en travers avec sa pointe là. Oh l'enfoiré. Bon, le prochain monde, c'est celui des Vikings à 425 000. On n'y est pas encore. 186 000. Franchement, je vais me permettre de prendre. On n'a pas testé les éclairs. Hein. Les éclairs doivent être stylés également. Hein. Mais on va prendre le. Allez, petite tornade niveau 4. Petite tornade niveau 5. Petite tornade niveau 6. Waouh, waouh, j'ai pris 3 niveaux de tornade là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de se retenter le château avec ce niveau là? Oh, il est rentré dans le château l'autre. Ah, c'est le moment d'y aller. Il est rentré par où par contre? Ah, il a dû rentrer en passant par-dessus, hein. C'est obligé. Allez, mais je vais réessayer de passer par là moi. Allez, go, 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 go. On détruit tout. Ok, celle-ci elle dégage. Celle-ci elle va dégager également. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau le gladiateur là? Ah non, c'est même pas. Non, c'est juste un PNJ. Allez, hop. C'est bon. Allez, je vais mettre la tornade. Comme tout à l'heure, juste là, en espérant... Ah mais j'ai vraiment plus de vie par contre. Hein. Allez, je la mets là. Ok, est-ce que ça va suffire? Je pense pas. Est-ce que je peux lancer mes boules de feu par-dessus? Non. Par contre, j'ai vraiment plus de vie là. Faut pas que je me fasse toucher par un gladiateur. Alors normalement, ils peuvent pas m'avoir. Il y a leur petite pointe qui est juste là. Et si je vais contre le mur, je me fais défoncer. Alors est-ce qu'elle récupère de la vie là, la truc là? Bon bah non, mais en attendant, je vais casser ça. Faut juste que je fasse attention qu'il n'y ait pas la tour qui revienne juste derrière moi, sinon elle va me démonter. Ah,
Aïe, 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 elle est revenue derrière moi. Aide-moi, vite, détruis-la. Aide-moi, mec, aide-moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis en train de prendre tellement cher. Non. Ah, c'est bon, on l'a eu. Ok. Oh, il est mort, lui. Ah, bah oui, il a fait le même truc que moi tout à l'heure. Il s'est fait démonter à travers le mur. Ah, je suis mort. Non, c'est trop dur, là. Bon, allez, je prends la fireball suivante. Est-ce que je peux pas m'améliorer ma ça ici? Allez, hop, je prends un de plus. C'est toujours ça de prix. Ah, ouais, elle fait un peu plus mal quand même, celle-là. Hein. Avec un peu de chance, si je me mets dans le coin ici, là, la tour derrière, elle devrait pas m'avoir. Là, je peux mettre ma tornade. Ok, ah, c'est bon, elle a presque plus de vie. Je vais la voir. Je vais la détruire. C'est bon, je l'ai eu. Bon, ça m'a pas rapporté tellement, mais bon, au moins je l'ai eu. Au moins, on peut dire que j'ai fini ce niveau-là. Allez, on va essayer de rentrer. On va essayer de rentrer. Ah, c'est bon, c'est cassé. Depuis le temps que je suis dessus, en même temps, heureusement que c'est cassé. Hein. Bon, par contre, oui, 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 oui. Il y a tellement de clés à la terre là. Je vais dans l'eau, moi, je me casse. Oh, ils sont tellement. C'est bon, il y en a qui sont repartis. Ah non, il y en a un que je l'avais pas vu. Putain, je l'avais pas vu, ils sont tellement petits en même temps. Moi, je suis un dieu. Bon, là, j'ai 440 000. C'est pas mal. Allez, je vais arrondir à 450 000, si possible, avec ce petit village. Voilà, parfait. J'ai donc accès au nouveau monde, donc celui des Vikings, qui est juste la Viking, la conquête Vikings. Qui, ah, là, je sais plus parler. Mais ça, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo, je ne sais plus parler. Nouveau monde débloqué, c'est celui des Vikings. Et ce qu'on va faire, les abonnés, c'est que si vous mettez 6000 pouces bleus à cette vidéo, je vous mettrai donc la suite de cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié ce jeu, donc je referai des vidéos dessus et je vous le poste dès que vous avez mis 6000 pouces bleus. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Redkill. Bye, bye, bye.